À présent, et comme dirait l'autre, nous y sommes. La catégorie long métrage fiction. Dans cette catégorie long métrage fiction, voici le jury qui a travaillé. Le jury long métrage est composé de 5 personnalités qui sont Ahmed Benjaoui, enseignant, directeur artistique du Festival du film engagé d'Alger, président du Fonds d'aide au cinéma algérien. Ahmed Benjaoui est algérien, il est le président du jury long métrage. Thérèse Marie de Fontaine, journaliste française au quotidien Le Monde. Imunga Ivanga, cinéaste, producteur, scénariste, auteur de plusieurs films dont Dolé. Baba Ama, ancien délégué général du FESPACO, journaliste, écrivain burkinabé. Gita El Kayat, docteur en médecine marocaine, elle est auteur de plusieurs articles scientifiques et artistiques. Ramatou Keïta, journaliste, écrivain, réalisatrice nigérienne. Bikia Graham Douglas, actrice professionnelle britannique d'origine nigériane. Voilà. Et nous allons commencer par le prix Oumaru Ganda de la meilleure œuvre de long métrage. Et pour connaître le nom de lauréat dans cette catégorie, pour ce prix-là, nous sommes heureux et très fiers d'appeler à nos côtés Monsieur le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, l'immense Cheikh Oumar Sissoko. J'avais eu l'immense bonheur de gagner ce prix en 1987 avec mon film Niamanton, La leçon des ordures. Le prix Oumaru Ganda, décerné au meilleur premier film de long métrage, est décerné à jusqu'à la fin du temps de la réalisatrice algérienne Yasmine Chouir. Madame Yasmine de l'Algérie, sous nos chaleureuses ovations, qui remporte cette année le prix Oumaru Ganda. Un prix doté d'un trophée et d'une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Merci d'applaudir Madame Yasmine Chouik.
pour passer ici pour son film jusqu'à la fin des temps. Les félicitations de Cheikh Oumar Sissoko. Le crépitement des flashs de nos photographes et les applaudissements de notre public. À présent, et toujours dans la catégorie long métrage de fiction, le prix du meilleur montage. Pour connaître le nom du lauréat ou de la lauréate qui remporte le meilleur montage cette année, nous sommes heureux d'appeler à nos côtés Madame Atia Kayena, technicienne monteuse. Madame Atia Kayena.